Bâti Express, les micro-trottoirs de Batimat sur Bâti Radio. Batimat édition 2022, c'est en train de s'achever. On achève avec Frédéric Mustin. Bonjour Frédéric. Bonjour Fabrice. Très investi à l'école des ponts, vous-même ancien élève, c'est bien ça? Oui, c'est ça. J'ai fait le master immobilier bâtiment durable de l'école des ponts, promotion 2019, et je suis toujours très investi auprès de l'école. Alors, on vient de terminer une conférence justement sur la transformation dans le bâtiment. Il y avait un grand acteur de Saint-Gobain qui était là pour vous présenter les solutions d'avenir. Oui, absolument. On vient de terminer un cycle de conférences internationales sur les stratégies neutralité carbone dans le bâtiment et l'immobilier à horizon 2050. On a eu 30 intervenants et la conférence de clôture vient d'avoir lieu avec Thierry Fournier, qui est directeur général adjoint et directeur général des régions Europe du Sud, Middle East et Afrique de Saint-Gobain, qui nous a présenté la stratégie de neutralité carbone du groupe Saint-Gobain. Avec des nouveaux matériaux, il y a énormément d'innovations, c'est ce qu'on a vu tout au long de ces 4 jours de salon, pour atteindre cet objectif bas carbone. On a l'impression d'être dans une véritable révolution dans le bâtiment. On vit cette révolution, elle est nécessaire, que ce soit dans les matériaux, que ce soit dans les constructions, qu'elles soient neuves, rénovations, que ce soit dans les process, que ce soit dans la manière de produire, l'utilisation des énergies, c'est incontournable. Je crois que c'est un salon qui montre que tout le monde était mobilisé, c'est le salon, on va dire, du bas carbone maintenant, et c'est une édition en tout cas qui est pleine d'effervescence. Vous-même, quel est votre regard sur cette édition 2022? On peut dire que c'est un bon cru de Batimat? Pour moi, c'est le grand cru de Batimat cette année. Le fait qu'il soit revenu à Paris, d'une part, c'est une excellente nouvelle. Que des retours positifs sur le point. Beaucoup d'effervescence, beaucoup de fréquentation. J'ai jamais vu autant de monde et pourtant ça fait des années que je fais Batimat. Les 4 jours, c'était la fête du bâtiment et l'immobilier. Tout le monde se retrouvait, même si les conditions de marché sont un peu difficiles et ça contraste un peu avec l'effervescence qu'on a connue. Mais en tout cas, cet engouement autour de la neutralité carbone et tout le monde a envie d'y aller. De toute façon, on n'a pas le choix. Bah, ça fait plaisir à voir et espérons que ce sera suivi d'effets concrets. C'est vrai, en tout cas, on a eu la confirmation de Guillaume Loiseau à l'instant avec des chiffres records sur cette édition Batimat 2022. Un grand merci Frédéric Mustin et à très bientôt sur Bâti Radio. Merci Fabrice, à très bientôt. Au revoir. Bâti Express, les micro-trottoirs de Batimat sur Bâti Radio.